Bonjour les yogis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous emmener dans un mudra pour l'équilibre, justement de l'humeur, contre les variations de l'humeur. On sait que parfois si on est fatigué, s'il y a la lune, s'il y a plein de choses extérieures qui peuvent faire, aussi les hormones qui peuvent faire qu'on a des variations d'humeur. Donc ce mudra, on va joindre le bout des doigts ensemble. Puis ensuite, on va joindre les deux pouces depuis la racine du pouce et les coller ensemble. Donc, ça donne comme une coupole. Avant de commencer vraiment le mudra et la respiration qui va avec, nous allons frotter déjà le bout des doigts. Vraiment où ça se touche, on essaie de frotter un peu. On peut aussi frotter comme ça. Ouvrir les doigts. Et frotter peut-être un petit peu avec les ongles. Sur le bout des doigts. Puis ensuite, on va coller la base des paumes de main et aussi les frotter ensemble. On peut aller dans tous les sens. On refait un petit coup le bout des doigts. Et on prend le mudra. Donc tous les doigts se touchent ensemble, pas besoin qu'ils soient serrés, ils peuvent être un petit peu ouverts. Ensuite, on pose les deux pouces l'un vers l'autre depuis la base de la main. Et on arrondit ici, on place devant le cœur. Vous vous tenez bien droit, vous allongez la colonne, on relaxe dans les épaules. Puis on va inspirer, expirer par le nez comme d'habitude. Simplement sur l'inspire, on va ouvrir les doigts. Et sur l'expire, on va ouvrir le bas. Ok? On va une dizaine de respirations ainsi. Inspirez par le nez, ouvrez les doigts. On fait une mini pause. Et sur l'expire, on ouvre la partie du bas de la main. Encore, inspirez. Et expirez. Fermez les yeux, inspirez, ouvrez les doigts. On peut ouvrir le pouce aussi. On recolle les doigts et expire. On colle le début des mains, inspirez. On colle les doigts, expire. Inspirez. Et expirez. Encore, inspirez avec conscience. Et expirez. Encore deux fois, inspirez. Et expirez. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Puis on recolle les poignets. Et on a terminé ce mudra. Donc, bien sûr, vous pouvez le pratiquer aussi souvent que nécessaire. Avec la pratique, il n'y aura plus besoin de trop penser à ce qu'on fait ni à la respiration. Et là, vous pourrez ajouter votre mantra, par exemple, « Mon humeur est stable, calme, je réagis avec confiance à toutes les situations. »
Si vous avez aimé ce mudra et cette petite série sur les mudras et les autres vidéos, je vous prie de cliquer sur le petit pouce bleu pour progresser dans votre pratique de yoga. Bien entendu, je donne des cours tous les jours par Zoom. Vous pouvez voir les tarifs, les horaires, vous inscrire aux cours, débutant ou tout niveau, bien entendu. Vous cliquez sur le site ci-dessous, vous trouvez tout. Et puis, pour la zone euro, vous avez 30% de rabais sur tous les abonnements avec un code que vous pouvez me demander par email, sophie@feelgoodyoga.ch. Puis, vous trouvez aussi des vidéos pour pratiquer chez vous à des horaires qui vous conviennent et vous gardez ces vidéos à vie. Donc, il y a plusieurs programmes, ouverture des hanches, pour le dos, pour booster l'immunité. Je vous laisse découvrir tous les programmes également sur le site et je vous retrouve tout bientôt.